邓小姑挺喜欢听二奶奶讲成都，讲成都的街，讲成都的房屋。Les temples et les jardins de Chengdu, les mets délicats, les légumes frais et extraordinaires des quatre saisons de Chengdu. Ce livre, Rites sur les eaux dormantes, a été écrit par un écrivain chinois très renommé, Li Jiezhen. Je suis actuellement dans sa ville natale, Chengdu. Ce livre peut permettre aux amateurs de littérature en France d'avoir une meilleure compréhension de la littérature et de la culture chinoise à cette époque. Je m'appelle Richard et je suis français. En 2016, je suis venu de Montpellier pour faire mes études à Chengdu, en Chine. J'y apprécie particulièrement le fait que ce soit une ville internationale et qu'on y trouve une atmosphère littéraire profonde. C'est par hasard que j'ai pris connaissance de Li Jiezhen, un écrivain chinois, et de ses œuvres. À la découverte du lien entre lui et la France, notamment Montpellier, j'ai décidé de faire quelques recherches. C'est la route de Linke où Li Jiezhen a vécu. Et ici, c'est la maison où il a habité pendant 24 ans. La maison était appelée Linke par Li Jiezhen. Le nom de cette route a donc été donné en son honneur. Pourquoi l'appelle-t-on le Zola de la Chine et le Flaubert de l'Orient? Pour comprendre tout ça, aujourd'hui, je vais rendre visite à un expert. Jiang 老师，你好，我是李强。哎，你好，你好。1891年呢，李坚先生出生在华兴东街。到1938年的时候啊，那李坚先生他买了几亩地，就在这个外东沙河布什里，哎，对，就这里修了一个疏散的草房子。那为什么他的房子叫林科呢？因为以前呢，这个门口啊有一个池塘。这个池塘的名称呢，就叫菱角堰。菱科啊，那个菱就指菱角堰的意思，那个科就是茅屋的意思。菱科就是菱角堰旁的茅屋。En 1919, Li Jiezhen a quitté Chengdu et est parti de Shanghai en bateau pour étudier en France. Il y a étudié l'histoire de la littérature française à l'université à Paris et Montpellier.李查，你看，这是李坚先生在法国留学时候的生活。这边就是李坚先生在法国期间留学的护照。你看，他上面他写的年龄是25岁，那其实是28岁。然后呢，他居住原来居住在成都啊。然后呢，他的目的地呢是法国。李坚先生在法国期间住的最久的一个房子，你看，就是这个地方。蒙彼利耶所居住的一个街区，对，这就是我的城市。是吗？对对对。那你见过这个街区吗？在我们蒙彼利埃最出名的那个广场叫 Place de la Comédie， 是在市中心。这种建筑风格是在市中心可以见的。哦，他在那个地方住了2年多时间。两年多啊。很有个性。对，很有个性。Li Jiezhen est retourné en Chine en 1924.C'est ici qu'il a écrit ses œuvres les plus représentatives, telles que « Rites sur les eaux dormantes »,« Avant la tempête » et « La grande vague ». Dans ses œuvres, la culture et les habitants du Sichuan sont omniprésents. Li Jiezhen, il n'est pas seulement un auteur, il est aussi un traducteur de français, un travailleur d'entreprise, un travailleur de société.还是一个美食家，李先生身兼数职，他在很多领域都取得了重要的成绩。Professeur Zhang m'a dit que pendant qu'il était le maire adjoint de Chengdu, Li Jiezhen a supervisé la construction de l'avenue de Zhenminlanluo, qui mesure 70 mètres de large. Selon la légende, elle se serait inspirée de l'avenue des Champs-Élysées. Aujourd'hui, cette avenue est un axe central qui relie le nord et le sud de Chengdu.En apprenant plus sur lui, j'ai constaté que sa riche expérience de vie et son lien avec la France l'ont beaucoup inspiré. Professeur Zhang m'a dit que Li Jiezhen a commencé sa carrière de traduction de littérature française en 1921, en traduisant Le cœur humain de Maupassant. Pourquoi a-t-il maintenu une telle passion pour la littérature française? Pour comprendre cela, je vais rendre visite à un expert.
Madame Bovary avait ouvert sa fenêtre sur le jardin et elle regardait les nuages. Ils s'amoncelaient au couchant du côté de Rouen et roulaient vite leurs volutes noires, d'où dépassaient par derrière les grandes lignes du soleil. Bonjour, je suis Richard. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Hein? Je vous ai entendu lire. Oui, tu sais, c'est quel livre? Je pense que c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Très bien, exactement ça. C'est l'œuvre représentative pour la plupart des Chinois. Zhao Zhiping, une professeure du département de l'enseignement international du mandarin à l'université de Xiamen, a fait des recherches sur Li Jiezhen pendant ses études en France. À l'issue de ses études, elle a rédigé des études de Li Jiezhen dans le monde francophone, ainsi que d'autres ouvrages dans lesquels elle expose le résultat de ses recherches sur Li Jiezhen. Y a-t-il un lien entre ce livre et Li Jiezhen? Bien sûr, en fait, ce livre a beaucoup influencé Li Jiezhen. De 1919 à 1924, oui, ça fait 4 ans et demi. Oui, en fait, il fait ses études sur la littérature et évidemment, il a lu beaucoup de romans français. Et tu vois, en fait, là, on a un livre, c'est Madame Bovary. Oui, tu vois, en fait, c'est sorti en 1925, c'est ça? Près de 100 ans, c'est ça? Oui. Même un peu plus que 100 ans. C'est la première version chinoise de Madame Bovary. C'est assez incroyable. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Merci. C'est incroyable. Au revoir, Kuei. Li Jiezhen n'était pas seulement un écrivain. Il a également traduit de nombreuses œuvres littéraires françaises. Ainsi, dans les années 20, il a traduit des œuvres de Maupassant, Flaubert, Tudor, Romain Rolland et d'autres écrivains français, afin de les présenter aux lecteurs chinois. En fait, Li Jiezhen a été très influencé par la littérature française du 19e siècle, surtout dans la création de personnages. Par exemple, en fait, les femmes qu'il a créées au caractère piquant du Sichuan oui, ont toutes les caractéristiques de la figure féminine du roman français. Par exemple, Cai Da Sao dans Rire de sur les eaux dormantes nous fait penser à Emma. Donc dans Madame Bovary de Flaubert. Oui, bien sûr. Elle savait que Chengdu avait quatre portes, de l'est, du sud, de l'ouest, du nord, dans ses murailles très hautes. Et très épaisse. C'est la version française de ce jeu Weilan. Et comment est-ce que vous avez trouvé ce livre? En fait, je l'ai acheté en France. À ce moment-là, je cherchais des idées pour mon mémoire de master. Un jour, au Soudan, en fait, je l'ai trouvé dans une brocante. Ok. C'était vraiment une surprise. La version française de Rire de sur les eaux dormantes est publiée en France grâce aux éditions Gallimard en 1981, en fait, et a attiré l'attention. Tu vois, les nouvelles littéraires, Mille mots et Le Monde ont tous publié les critiques littéraires. Et le dernier, Le Monde, avec le titre Une Madame Bovary du Sichuan. En effet, Rire sur les eaux dormantes est considéré comme un bon exemple de combinaison littéraire sino-française. Donc Li Jiezhen, il ne s'est pas inspiré seulement des ouvrages littéraires français, mais il a aussi attiré de l'attention et de l'approbation en France. Professeur Zhao m'a dit que maintenant, près d'un siècle plus tard, il y a encore des personnes dédiées à l'étude de Li Jiezhen en France, y compris des traducteurs, des sinologues, des érudits, des professeurs d'université, etc. Par ailleurs, de nombreuses universités et institutions françaises ont également publié des études sur sa vie et ses œuvres. Je connais beaucoup de chercheurs français qui s'intéressent bien à la littérature chinoise. J'ai un ami qui s'appelle Victor et il est diplômé de Paris-Sorbonne. Et est-ce qu'on peut le voir alors aujourd'hui? Bien sûr. Bonjour Victor, ça va? Bonjour. Bonjour Zhiping et bonjour Richard, oui ça va,
Merci de m'accueillir, en tout cas, très content d'être là. Alors, dis-nous, est-ce que les Français connaissent Li Jianren? Oui, en fait, ça a surtout commencé en 1981, quand son livre, donc, Rite sur les eaux dormantes, son roman, est sorti chez nous. Pour les Français, son style d'écriture rappelle énormément les écrivains naturalistes français. On peut citer Émile Zola, Gustave Flaubert. C'est qu'au travers de ses romans, donc que ce soit Rite sur les eaux dormantes ou tous les autres, on peut comprendre énormément d'aspects de la culture chinoise. Parce qu'il y a des scènes de vie très détaillées qui nous racontent aussi un petit peu comment est-ce qu'on vit, quelles sont les pratiques culturelles par chez vous. De toute façon, on pourrait dire que la culture chinoise et la culture française, depuis le siècle des Lumières particulièrement, sont très interconnectées, en fait. Et pour nous, c'est toujours une source précieuse de renseignements et pour une porte d'entrée facile pour découvrir les cultures d'autrui. Ok, et bienvenue en Chine. Et bienvenue en Chine, évidemment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a plus de 100 ans, un maître littéraire de renommée mondiale est né à Chengdu. Ce ne fut pas seulement sa ville natale, mais aussi le berceau de sa création littéraire. Ses œuvres, intemporelles, passionnantes et riches en diversité, ont eu une influence globale dans le monde de la littérature et continueront de représenter la poursuite de l'excellence littéraire.